Allez, c'est lancé, final pupille avec un très bon start du pilote d'Ardiwa, mais à l'intérieur, Chad Reroll fait parler la puissance. Il va sortir en tête devant Morgan Vibé, qui de l'extérieur sort à la deuxième position. Toujours le pilote de Dardy qui est bien sorti de la grille et qui rentre maintenant en deuxième place à l'intérieur. Alors pour la troisième position, ça va être très serré. Avantage pour l'instant à Morgan Vibé qui resserre sur Lancelot Butapfel. Chad Reroll, lui, s'envole vers une victoire ici à la Mosaic Bike Days. Aujourd'hui, devant le pilote de Dardy qui a fait le chemin pour venir ici, il va s'offrir un podium, Elliot Wolfahin. Et donc à la troisième position, ce sera sûrement validé par Vibé Morgan, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses en dernière ligne. Alors on va voir si le pilote de l'Aveyron, et oui, comme son petit frère tout à l'heure, le pilote de l'Aveyron revient et va se faire le podium. C'était chaud jusqu'au bout.